bonsoir Hugo. Bonsoir Georges, bonsoir à tous. Et pour me présenter un petit peu, je suis Yvon Le Barce, je suis né en Bretagne. Et puis très jeune, je me suis intéressé aux images, à la peinture, aux peintres, à aimer ce qu'ils faisaient. Et puis à me dire, peut-être que je pourrais en faire aussi. Et voilà, ça a commencé comme ça, vers l'âge de 6, 7, 8 ans, où ça s'est un peu concrétisé dans ma tête ce que je voulais faire. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau travail qui s'intitule New York in Paris? Oui, bien sûr. Donc depuis longtemps, je travaille sur les villes, etc. Comme Paris, comme la Hollande, Amsterdam, et puis Rio également. Et puis là, ça s'est présenté à moi, un voyage à New York, un thème qui est récurrent, mais que je voulais aborder également. Et là, le hasard a fait que j'y suis parti. Et j'en ai ramené une petite série de photographies, parce que je ne pouvais pas peindre sur place, vu peu de temps, 10 jours, et puis vu la technique que je peux avoir, qui demande quand même un travail en atelier. J'ai fait quelques aquarelles là-bas, et puis mon système de multiplication des tableaux, des polyptiques, c'est encore un peu plus accentué, avec aussi les projections que je fais depuis pas mal d'années, 21, 25 ans. Qui s'accentue, mais qui se précise, qui s'affine. Voilà en gros un petit peu le travail de ces 2 années, parce que ça a pris 2 années. Alors, sinon, le lieu, bien sûr, je vous en parle, c'est un lieu un peu atypique, et c'est extraordinaire. C'est un ancien réservoir d'eau qui est devenu, au fil des années, la confrérie vigneronne de Montmartre. Donc ils font leur vin, de Montsegny, et puis autour d'ici, de la Commandée, il y a un petit chai également. Et ils y font, je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais ils font très bien.